Eh bien les gars, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nous sommes le 2 octobre 2019, mise à jour 10.40. aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau aujourd'hui les gars? Eh bien pas grand chose, c'est ça qui a été hyper décevant de la part de Epic Games, mais, ne vous plaignez pas, je ne me plains pas. Il ne faut pas se plaindre, pourquoi les gars? Puisque cette mise à jour 10.40 apporte quand même quelques conclusions assez sympathiques. Surtout que voilà, moi j'avais un peu laissé tomber le niveau 100. En fait, c'est con parce que du coup, j'avais baissé les bras, c'est ça, c'est pour ça que j'en veux un peu à Epic Games, c'est que j'avais laissé tomber puisque je voyais que le pass de combat se terminait très bientôt. Et regardez, maintenant, c'est reparti pour 11 jours de pass de combat. Sans compter que ils ont dit que le pass maintenant se terminerait au moins le 13 octobre. Donc ça a été relancé, quelques jours ont été relancés pour pouvoir finir vos missions, etc. Surtout, on a enfin une date officielle pour les défis d'Ultime Effort. Bien sûr, pour les défis d'Ultime Effort, vous pourrez avoir certains skins dans des variantes différentes, notamment les skins comme Platine, où vous allez avoir, regardez, la version full or massif. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Je pourrais vous montrer d'autres, l'autre version du skin. Qui est à la une, donc l'autre c'est celui-ci. Vous l'avez en version disco inversée, et pas seulement, puisque vous allez avoir également papi papou. Où est-ce que je l'ai? Alors je suis un peu nul pour trouver les skins, surtout dans ce tas énorme de skins. On va faire ça comme ça. Voilà, il est là. Celui-ci, vous l'avez également en version rouge et dorée, voyageur éternel. Alors la précision que ça apporte, c'est que on les attendait pour aujourd'hui ou demain, sachant que le pass se finissait en 3 jours. Chose un peu conne, c'est que du coup j'avais laissé tomber le niveau 100 parce que je m'étais dit que j'avais pas le temps. J'ai même pas joué le week-end double XP. Au final, le week-end double XP, ça aurait pu carrément m'aider, puisque en fait maintenant j'ai 11 jours, mais en 11 jours ça va être carrément compliqué de l'avoir quand même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, je l'avais pas parce que dans 3 jours ça se finissait, donc je me suis pas donné à fond, et en me donnant pas à fond, eh bien j'aurais fini peut-être niveau 90, ça m'aurait un peu fait chier, donc du coup maintenant je l'aurais quand même pas le niveau 100, alors que c'est un niveau que je voulais absolument pour cette saison 10. Mais en tout cas, la date officielle pour la sortie des défis d'Ultime Effort sera le 8 octobre, les gars, le 8 octobre, journée de sortie des défis Ultime Effort. Dans ces défis Ultime Effort, donc ça tombe un mardi, mardi prochain dans une semaine, vous allez avoir donc les trois skins que je vous ai montrés, l'accessoire de dos comme ceci. Alors je vais quand même vous le montrer puisque du coup vous avez envie de savoir ce que c'est. Regardez cette version de game plan en rouge également. Et vous allez avoir un écran de chargement exclusif. C'est l'écran de chargement lorsque vous allumez votre jeu avec, vous savez, le skin palier 100 avec le grand X derrière en bleu. Un peu comme cette image que j'ai là, mais version écran de chargement. Alors, pour les autres infos concernant cette mise à jour 10.40, c'est très bref. Il y a eu quelques ajouts et quelques retraits de guns. On a eu le pistolet à silex qui a été réintroduit. Et surtout, on a donc la précision que les défis d'ultime effort commencent le 8 et finissent le 13. Alors là, ils donnent 11 jours justement pour finir cette saison. Donc ça se finit le 13. Le 13, les gars, sera donc normalement la dernière journée d'Ultime Effort, donc un dimanche, encore une fois très bizarre. Ils avaient fini un dimanche, on se demandait qu'est-ce qui se passait. Là, pareil, ils refinissent un dimanche dans 11 jours, donc je ne sais pas exactement ce qu'ils comptent faire, mais je pense que oui, l'événement sera samedi 12, donc octobre, dans 10 jours. Et pareil, les zones wars, donc les guerres de zone, ont changé. Maintenant, vous pouvez faire bataille solo ou bataille groupe, donc voilà. Mais en tout cas, la grosse info de cette vidéo, et c'est pour ça que je vous avais fait cette petite vidéo, c'est la date officielle et l'heure de sortie, donc 15h le 8 octobre pour les défis d'Ultime Effort. Donc je vous ferai un petit défi individuel pour chaque, notamment je vous avais fait une liste également la semaine dernière de tout ce qui va sortir, de tous les cosmétiques et de tous les défis. Mais ensuite, je vous ferai bien sûr, comme je vous disais, des défis et des vidéos à l'unité. Donc voilà. N'oubliez pas les gars, en tout cas, si vous avez kiffé, de mettre le petit code créateur, le mettre le max de like sur la vidéo, forcément.
C'est vrai que c'est un peu décevant et c'est peut-être pas ce que vous auriez voulu entendre, mais en tout cas, voilà les gars, je tenais à vous le dire. 8 octobre, défi ultime effort, passe rallongé de une dizaine de jours. Donc on se retrouve très bientôt pour d'autres infos. N'oubliez pas de rester zen. Salut à tous.